Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu la décision des États-Unis de s'accaparer les avoirs de l'État afghan déposés dans les banques de l'Oncle Sam. Vendredi 11 février, le président Biden signait un décret exécutif confisquant purement et simplement les avoirs de la Banque centrale afghane aux États-Unis. Ces avoirs d'un montant de 7 milliards de dollars en or ou en bons du Trésor étaient gelés depuis le départ des troupes états-uniennes de Kaboul. Un tel acte est totalement inédit et constitue tout simplement une opération de brigandage d'État. Bien sûr, depuis longtemps, Washington utilise la pression économique comme arme contre ses adversaires. Embargo, blocus, boycott, gel d'avoir font partie depuis longtemps de l'arsenal guerrier états-unien. En témoigne le blocus contre Cuba, qui dure depuis 1962, condamné chaque année par l'Assemblée générale des Nations unies, qui évalue à 144 milliards de dollars les pertes de Cuba liées à ce blocus. Cependant, jamais les États-Unis, ni aucun autre État, n'avaient osé jusqu'à présent s'accaparer purement et simplement les avoirs d'un État étranger. Le décret de Biden est illégal au regard de la loi états-unienne elle-même, en vertu de la loi dite sur les immunités souveraines étrangères. Selon ce texte de loi, les États-Unis n'ont aucun droit de regard sur les sommes déposées par la Banque centrale d'un État étranger à New York afin de stabiliser le taux de sa monnaie nationale en vendant ou achetant des dollars. Le fait que le dollar demeure la monnaie internationale contraint les banques centrales de tous les pays à placer une partie de leurs avoirs aux États-Unis. Le professeur de droit bancaire international, Jean-Pierre Matou, résume comme suit l'état du droit international sur cette question. Je cite « En principe, ces réserves sont protégées, puisqu'elles sont censées être utilisées pour les fonctions souveraines d'un État. Aux États-Unis, elles sont insaisissables en vertu du Foreign Sovereign Immunity Act. C'est bien sûr la lutte contre le terrorisme qu'invoque Biden pour justifier la violation du droit états-unien comme du droit international. Il crée ainsi un précédent juridique pouvant demain s'appliquer à de nombreux autres États afin de déstabiliser leur politique monétaire. Le gouvernement afghan est ainsi privé d'un pan essentiel de sa politique monétaire, souligne son porte-parole Suhail Shashen. Je cite « Les réserves de la Banque centrale d'Afghanistan sont la propriété du peuple afghan et la Banque centrale est une entité indépendante. Nous demandons le dégel immédiat de la totalité de ces réserves qui sont indispensables à la mise en œuvre de notre politique monétaire. Cette décision n'est rien d'autre qu'une punition infligée au peuple afghan qui traverse déjà une très grave crise alimentaire. Nous demandons à M. Biden de revenir sur sa décision. » Fin de citation. Concrètement, l'application du décret aboutira à un effondrement total de la monnaie afghane. Mais le décret états-unien ne se limite pas à ce premier scandale. Il indique en outre la destination fléchée des sommes volées. Ainsi, la moitié de cette somme, soit 3,5 milliards de dollars, est destinée à un fonds de placement indépendant chargé de venir en aide à la population afghane sans passer par le gouvernement de Kaboul. Autrement dit, Washington se dote d'un outil supplémentaire lui permettant de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un État souverain. On peut penser ce que l'on veut du gouvernement afghan et ne pas le porter dans son cœur. Cela ne change rien au constat d'une légalisation de l'ingérence étrangère au nom de la lutte contre le terrorisme. Quelle que soit notre analyse sur la situation en Afghanistan, c'est au peuple afghan qu'appartient le droit de décider ce qui est bon ou mauvais pour lui. Sortir de ce principe, c'est tout simplement cautionner les logiques colonialistes et impérialistes justifiant les ingérences étrangères au motif d'une pseudo-mission civilisatrice, d'un soi-disant devoir d'ingérence ou d'un supposé devoir d'assistance à un peuple en danger. Mais le scandale du décret ne s'arrête pas ici. La seconde moitié du butin est destinée, selon l'administration Biden, à l'indemnisation des victimes du 11 septembre. Peu importe pour Washington qu'aucun Afghan n'ait participé à ces attentats. Le politologue Jacques Fatt résume comme suit ce que nous savons désormais des responsables des attentats du 11 septembre. Je cite « Ce n'est pas l'Afghanistan et ce ne sont pas des Afghans qui ont tué 3000 personnes ce 11 septembre 2001 à New York. Ce sont 15 Saoudiens sur 19 terroristes, les autres venant du Yémen, du Liban, d'Égypte et des Émirats Arabes Unis. On sait comment nombre d'individus, de riches personnalités et des religieux ou chiites saoudiens ont participé au financement d'un djihadisme et ont trouvé ainsi un moteur financier et idéologique
pour leur visée politique. Cependant, il n'a jamais été prouvé que ce royaume, allié privilégié des puissances occidentales, est l'acteur responsable du complot et de l'attaque du 11 septembre. Mais en matière d'indemnisation, c'est plutôt Riyad qui devrait et pourrait financer, et certainement pas Kaboul. Fin de citation. Le peuple afghan a déjà largement payé des attentats dont il n'est pas responsable. La guerre de 20 ans menée contre ce pays, qui s'est soldée par une défaite états-unienne totale, a été à la fois destructrice et meurtrière. Nous ne disposons pas encore de bilan objectivé de cette guerre. La mission d'assistance des Nations Unies évalue à 38 000 civils tués et à 70 000 blessés le coût humain de cette guerre pour le peuple afghan entre 2009 et 2020. Elle évalue également à 395 000 le nombre de déplacés au cours des trois dernières années du conflit. Les infrastructures du pays sont bien entendu en lambeaux dans tous les secteurs. Ces chiffres soulignent le cynisme du décret états-unien visant à plonger l'Afghanistan dans le chaos monétaire. La comparaison entre le montant des dépenses de guerre états-uniennes et le montant des avoirs afghans volés indique la véritable signification de la décision de Biden. Au 30 septembre 2019, le Pentagone évaluait lui-même le coût de la guerre en Afghanistan à 776 milliards de dollars. Le politologue Jacques Fack avance, lui, le chiffre de 2 300 milliards de dollars. Mais la guerre d'Afghanistan inaugure la guerre contre la terreur qui étendra ses effets destructeurs également en Syrie et en Irak. Cumulant le coût de ces trois guerres, une équipe d'économistes de l'université Brown, située dans la ville de Providence aux États-Unis, évalue à 6 400 milliards de dollars le coût de la dite guerre contre la terreur depuis 2001. Ces données suffisent à montrer que l'objectif du vol d'État états-unien n'est pas économique. Il est de nature politique. Biden est en effet en difficulté devant son opinion publique. De la défaite afghane à la dite crise ukrainienne, du rapprochement Chine-Russie à l'échec en Syrie, en passant par la crise de l'allié français et européen en Afrique de l'Ouest, c'est le projet d'un monde unipolaire sous direction états-unienne qui va d'échec en échec. Le peuple afghan paye le besoin de relégitimation de la politique guerrière états-unienne fragilisée par tous ces événements internationaux. Ne nous trompons pas, en effet. Les conséquences seront dramatiques pour le peuple afghan, déjà plongé dans une situation catastrophique. Depuis la défaite états-unienne en août 2021, toutes les aides internationales à l'État afghan ont cessé, alors qu'elles représentaient 80% du budget national. Les Nations Unies évaluent à 23 millions, soit 55% de la population, le nombre d'Afghans menacés par la faim. L'ONG CARE résume comme suit la situation au 15 février 2022. Je cite « L'Afghanistan est en proie à une crise humanitaire et économique catastrophique qui oblige certains à l'inimaginable, y compris à vendre leurs enfants pour sa survie et celle du reste de la famille. Les sanctions économiques imposées à l'Afghanistan compliquent l'action des ONG et ne nous permettent pas d'apporter de l'aide à toutes celles et ceux qui en ont le plus besoin. » Fin de citation. Ajouté à une telle situation, le vol pur et simple des avoirs afghans aux États-Unis porte un nom, celui de crime d'État. En dépit de son caractère inédit, de ses conséquences prévisibles et de son cynisme, le décret états-unien n'a pas été évoqué par les principaux chefs d'État occidentaux. Il n'a pas non plus fait la une des grands médias. La couverture médiatique a été au mieux l'exposé non critique des arguments officiels états-uniens et au pire le silence complet. Les rares articles des grands médias consacrés à ce décret ne rappellent pas le contexte historique d'une guerre de 20 ans dont la principale victime fut le peuple afghan. Ils passent également pour la plupart sous silence les effets prévisibles d'un tel décret en ne le situant pas dans le contexte de crise humanitaire actuelle. Il ne le relie pas non plus au contexte géostratégique et aux difficultés rencontrées par les États-Unis sur le plan international. Bref, il décontextualise une question incompréhensible sans la prise en compte de ces différents contextes. Un texte sans contexte n'est décidément pas une information. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.